c'est la graine. Voilà une graine. Oh, il a vomi. Et voilà la graine. Oh putain, dégueulasse. Fatality de Kung Lao maintenant. Wesh. Oh. Oh. Ah, dégueulasse. Bon, Fatality de Li Mei. Wesh. Oh. Ouais, dégueulasse. Ouais, c'est quoi? C'est un ange. Oh. Putain, elle a carbonisé sa mère. Elle va faire quoi? C'est une vampire, elle. Oh, wesh. Oh. Oh. Putain, dégueulasse. Ah voilà, c'est une dinguerie de Fatality. Hein. Salut, salam les frérots et les sœurs, c'est votre bonhomme masqué préféré sur YouTube, BDG. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de Mortal Kombat 1. Et oui, Mortal Kombat, je rappelle. Fin de la musique, parce que elle est copyright la musique, après on va me démonétiser. Je vais pas être démonétisé. Donc on va relancer le jeu, on va reprendre, on s'est arrêté au niveau de l'histoire. Comme d'habitude, casse-couille des youtubeurs, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, bien sûr. Et on est reparti dans le mode histoire. C'est possible qu'on a revu à chaque fois le début de la cinématique. Je rappelle, hein, c'est pas... C'est comme ça à chaque fois, j'y peux rien, sinon faut que je coupe au montage. Mais là, en gros, on avait vu dans... Ce qui est chiant, en fait, je trouve, c'est qu'à chaque fois, on se tape la cinématique du début, il n'y a pas moyen de la passer, il faut se la retaper à chaque fois. Et en plus, celle-là, elle est longue, les frères. Il n'y a vraiment pas moyen de la passer, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Regardez, je la passe, ça va mettre direct au combat, vous voyez. Il n'y a vraiment pas moyen de la passer, donc on va se taper, ça, je vous fais voir. Oh putain, j'ai des remontées. Je vous fais vraiment voir comment c'est. Ouais, il n'y a pas moyen de la passer. On est obligé de se retaper le début. Donc sûrement, je le coupe au montage. S'il y a une coupure, là, maintenant, c'est normal. Bon, on était arrivé ici, au niveau de la cinématique. Donc, allez vous chercher une petite boisson fraîche, une petite boisson chaude, un petit truc à grignoter pour vous poser calmement. Et on reprend là où on s'est arrêté dans le dernier épisode. Wow. Dégueulasse. Oh là, faut donner envie de vomir. Il veut rien qu'arracher les barreaux. Ça fait maintenant des heures que tu fais ça. En plus, c'est naf, il y a ces espaces entre les barreaux, il peut sortir. Ouais. Ça, c'est pas près d'arriver. Continue à parler. Il a perdu ses yeux, nous. Ça m'empêche de réfléchir. Dans la merde, hein. Raconte-moi ta vie, celle d'avant la maladie. Je menais une bonne vie. Je faisais du commerce le long de la côte de Fartak. Ma famille était prospère. Heureuse. Une si gueule barlaca. Puis, la peste est arrivée. Elle a pris ma femme. C'est comme par hasard, Shamsung, ce bâtard. Elle a eu la cruauté de m'épargner pour l'instant. Je crois qu'elle prend plaisir à ravager mon corps plus lentement. Oh, quelle gueule de voix. Oh, Kenshi. Oh, merde. Ça fait très mal. Tu n'as pas idée. Tu m'as sauvé la vie. Je l'oublierai pas. Mais peut-être que tu le regretteras. Et qu'est-ce que... Ils sont en train d'être torturés en rouillon. Oh là, ils sont en train d'être torturés. Wesh. Non mais c'est quoi ça? Sérieusement, quand est-ce qu'on est entré dans un film d'horreur? Voilà le véritable laboratoire de Shang Tsung. C'est en dessous de là où on était avant.
Ce n'était qu'une façade. Bah ouais, fallait ça le tuer, voilà. C'est un film de merde dans lequel j'avais joué à mes débuts. Les mines de chair. Oh, un vrai nanar. Voilà, fallait le tuer. Si vous, vous êtes con. Tu veux faire, ils sont cons. Ils sont cons, frère. C'est qui, ça? Notre geôlier. Ouais, je suis comme des chiens, Zibi. Oh, dégueulasse. Là, je préfère crever que manger ça. Comment va-t-il? On lui a crevé les yeux, banane. Ouais, j'ai un petit espace entre les barres. Ouais, je me fais ça qui fascine. La douleur. Tu devrais avoir honte de toi. Vous êtes le prisonnier de Shang Tsung. Et moi, son esclave. Il détient ma famille. Et les tuera si je n'obéis pas. Oh, il est classe, hein, Kenshin. Skin, mon homme. Pourquoi t'avoir choisi? Pour qu'il apprenne mes talents de métamorphose. Ah ouais. C'est de toi qu'il tient ça? C'est de lui? On l'a vu faire. C'était incroyable. Alors, comment ça marche? Tu peux te transformer en ce que tu veux? Je peux alterner entre cette apparence et ma vraie forme, c'est tout. Ah, reptile. Tu es un Zatiran. Ah, c'est reptile, lui. Vous pouvez faire ça? Non, je suis le seul. Ah, ce gros fils de pute. Il est l'heure. Ah, cette grosse salope. De quoi, sorcier? L'heure des expériences de réplication. Elle commence par votre vivisection. Vos organes me serviront à créer de nouveaux serviteurs. Un processus fatal. Bon, ok, il va mourir, hein. Liu Kang va te faire payer ses atrocités. Encore faudrait-il qu'il en ait connaissance. Or, quand j'en aurai fini, il ne restera plus aucune trace de vous. Je reviendrai bientôt voir ta progression. J'ai d'autres impératifs qui m'attendent. Quel mais bâtard, lui. À faire ça. Ouais, c'est un vrai bâtard, lui. C'est soit vous, soit ma famille. Et, ouais, c'est ton honneur, fouillant. Ouais, j'ai un petit espace entre les barreaux, je suis pas con, ça. Il sort, non? Voilà, c'est un immeuble qui est entre les barreaux. Mettez-les dans les capsules. Ouais, Johnny Cage, la classe, hein. Je lui ai envoyé des enfants, frère, pour les attraper. Ah, j'espère jouer à une baraka, là, j'espère. Oh lolo, qu'est-ce qu'il fait? Minskin Kenshi, voilà, il y a aveugle, Minskin. Wesh. Oh, Hachim, ça fait en route bas, wesh. Bah, mets-le dans le truc, t'es con ou quoi? Mets-le dans le truc, comme ça, tu mets pas dedans. Je sais pas, il fait quoi là derrière, hein? Il est endormi. Hein? Ah, c'est... Oh là là! Je joue avec Baraka. Oh, ça tue. Donc, on a arrière, avant, carré. En bas, arrière, carré, ça c'est en l'air. En bas, en avant, triangle, donc il n'y a que carré. C'est que du en bas arrière ou en bas avant. Même pas. C'est que du en bas arrière. Ok, ok. Je vois comment ça se passe. En l'air. Ah ouais, c'est que ça en fait. Ah ouais. Pas beaucoup de coups, hein. Carré, triangle, carré. Triangle, carré, triangle. Et rond, 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 rond. Ouais, rond, 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 je crois en faire ça. Mais pourquoi il fait pas? Là, il me dit rond, rond, rond. J'appuie, il fait pas, couille, ouais. Comme du ronron, abattoir, mi-haute. Wesh, wesh, wesh.
t'as appuyé plusieurs fois sur ton rond. Oh là là, tiens ta mère toi. Ouais, cherche un d'où il mange. Kung Lao, viens Kung Lao. Voilà. Oh là là. Ah, trop cool. J'oublie c'est quoi c'est cool. Bah là il m'en met plein. Tout à l'heure il m'a pas mis autant. Tout à l'heure je peux se souvenir, il m'a pas mis autant. Et là il m'en met plein. Ok. Découpage. Il y a même découpage. Ouais, c'est une dinguerie ce découpage. Découpage pour le jeu. Attends. Oh non 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 non, j'aime trop ce truc. Prend Baraka, franchement, fort, hein. Voilà, vraiment fort, fort, fort Baraka, c'est un truc de fou. Et découpage prolongé, c'est une dinguerie, hein. Pourquoi il n'a pas... je vais essayer un truc, parce que tout à l'heure, ça a marché. Et après, il m'avait rajouté un coup. Ah là, j'ai affronté que des bottes, hein. Il n'y a rien de plus cruel. Oh, ils sont bons, ils sont dans la merde. Je crois que tu as parlé trop vite, Baraka. Ouais, c'est qui lui? Ah ouais, j'affronte que des bottes en fait. C'est ça le délire. Coupure profonde. Ok, ça c'est une saisie. Je regarde, hein, un peu comment il marche le personnage. Il y a qui a trois triangles. On va essayer ça. Ok. Voilà. Wesh, le bâtard essaie de protéger. Mais non, j'ai appuyé en plus la touche de shot. Wesh, il nous a enculé nous deux, hein. Ouais, Charcham, il fume ses combos, le frérot. C'est bon, c'est le mode histoire, comme toi. Hein. Je suis dans le mode en ligne, frère. Ouais, il est fort, le bâtard, hein. Tiens, ta mère, fatal blow. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Alors, ça fait moins le malin, hein. Tiens, dans ton bide. Tiens, dans ta gorge. Tu vas arrêter de faire des gorges profondes à Chung Tsung, là. Tu veux mes couilles, là. Trou du cul, hein. Carré, triangle, carré, il y a triangle. Okay. En fait, ils sont faciles ces combos. Hein. Tu vois, et il y a triangle, carré, triangle. Voilà. Voilà, bouffon. Wesh, wesh, wesh. Tu vas te calmer ta mère, toi. Oh, tu fais trop malin. Attends, attends, je sais comment... Je le lève, voilà, je le lève. Regarde comment je vais finir. Voilà. Ça suffit, assez de distraction. Ah non, pas de choses sérieuses. Oh, j'ai même un profil. Putain, j'ai mon téléphone qui sonne, attendez. Voilà. Ouais, j'arrive enfin à ouvrir les barreaux.
Ah non, il arrache les portes. Oh, c'est dégueulasse, hein, vous, non. Shang Tsung va me punir en torturant ma famille. Tu vas payer pour le... Mais non, Reptile, oh là, je l'aime bien en plus. Fight. Je vais devoir le fumer, sa daronne, miskin. Oh lolo, t'es bête, toi. Hein. Oh là, imbécile. Oh, ce coup, il est bien. Attendez. Je peux faire un combo, Bennec. Attendez. Wesh. Attends, laisse-moi voir un peu les combos, là. Tiens ta mère. Voilà comment tu m'as commencé à mettre. Ouais, il jette elle. Oh, Reptile, je l'aime bien. Putain, mais c'est un bon perso. Ouh, j'ai peu. Faut que je m'avance un peu. Oh là là, je peux, voilà. Je ne te laisserai pas faire. On joue bien avec Scorpion, Zobby, c'est un truc de ouf, ça. Voilà, bouffon. Tiens, ta mère. Attends, je peux faire ça. Hop. Attendez, hop. Oh là là, ta grand-mère. Oh là là. Wesh. Ah, le chien. Oh, le chien, il disparaît et tout. Wesh, arrête. Ouais. Ah, il est... Wesh, il est invisible. Wesh. Ta mère. Voilà, imbécile. Ah, je l'ai soulevé. Sa baronne. Alors, tue-moi. Si je meurs... C'est nul. Il épargnera peut-être ma famille. Je t'ai fumé. Non. Je ne suis pas un meurtrier. C'est ta compassion que j'implore. Ah, mais si tu n'as rien fait pour la mériter. Il veut mourir pour sauver sa famille. Tu protégeais ta famille. J'en aurais fait autant à ta place. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Saïzat, imbécile! Tu les as laissés tous saccager! Nous partons, sorcier! Et on t'emmène avec nous. Liu Kang a deux mots à te dire. Vous ne m'aurez pas si facilement. Bah oui, Vandanga. Ils sont... Voilà, ils sont cons! Ouais, j'ai un mauvais pressentiment. Je vous dis adieu, messieurs. Il est classe, hein. Souris, Saïzat. Tu vas revoir ta petite famille. Il les a tués, le bâtard! Ils sont morts! Vous les avez tués! Il y a bien longtemps. Quel fils de pute! Je ne laisse rien au hasard. Voilà, quel fils de pute! Je peux garder la monnaie, ça ne me dérange pas. Il faut qu'on se tire d'ici. Tu peux garder la monnaie, hein, ouais. Un problème? La porte a dû être scellée quand le gaz a été répondu. Ils vont tous attraper la chiasse. Oh, ils sont tous en train de péter, là. Oh. C'est quoi, ça? Ah, faut que je m'en... Ah, je l'appuie sur les touches. C'est quoi, ça? Wesh. Je savais même pas le cas de ça, voilà. Ouais, je l'ai fait au max, là. J'ai réussi, mes frères. J'ai pas compris, voilà, je l'ai fait au maximum. Ah, ben alors, là, je suis au max. Ok, hein, faut le refaire plusieurs fois. Ouais, je vais casser ma manette. Ouais, je sais quoi se mettre d'handicapé, là. Ouais, ça monte de plus en plus, Zébi. Oh, là, j'ai réussi. Ça fait plaisir. Laissez-moi. Je ne ferai que vous ralentir. Tu rigoles?
Si Shang Tsung te trouve, t'es mort. Regarde-moi, Cage. Je suis un poids. Ne risquez pas vos vies pour sauver la mienne. Donne-lui une épée. Hé, hey, je t'interdis de baisser les bras. Les tu donnes l'épée. Ont besoin de toi. Tu te souviens? Donc, on va rentrer chez nous et trouver un moyen de te soigner. Ok? Faisons vite. Ou nous serons capturés. On a besoin d'aide pour amener Kenshi au portail de Sundo. Je ne peux vous conduire qu'aux portes de la ville. Les Tarkatan n'ont pas le droit d'entrer. Et ensuite, je vous accompagnerai. C'est le moins que je puisse faire pour me racheter. Merde. Oh, c'est dingue, on se croirait dans Planète Cruelle. Mais il est trop con, lui, avec ses films. La deuxième scène est... Ah, la Manticore. Ouais. Le tournage était galère, mais la vache, qu'est-ce que le résultat claque. Ouais, je vois très bien la scène. C'est un bon Kenshi, en fait. Forêt vivante. On va se faire attaquer par des nains. Vivantes, des nains de forêt. Dans les autres forêts, les arbres des n'accueillent nagis. Pas les âmes des défunts. Attends une seconde. Tu parles de fantômes? Oui, des fantômes bienveillants. Et vous connaissez des gens ici? Oui, quelques parents éloignés. Il n'y a aucun Zateran. Pourquoi? Parce que les sangs chauds nous rejettent. Alors nous restons entre nous. Nous vivons sous terre dans la province de Zikandur. Alors comment as-tu rencontré Shang Tsung? Ma capacité à prendre forme humaine était mal vue. C'est un démon, il peut un lézard. Et puis chassé. Et il peut se mettre en forme affamé humaine. Affamé et sans le sou, j'ai rejoint un cirque itinérant. Reptile, je l'aime trop, Reptile. Beaucoup de gens étaient prêts à payer pour me voir utiliser mon don. À l'époque, Shang Tsung n'était qu'un charlatan. Il a croisé ma route et il a vu de quoi j'étais capable. Quand il a commencé à pratiquer la vraie sorcellerie, il a demandé à m'étudier. Devant mon refus, il a pris ma famille en otage. Ouais, c'est une vraie salope, Chang Mekun. Qu'on peut pas refuser. Il est dangereux. C'est pas et il a de nombreux projets. Avec Rain et le général Shao, ils conspirent ensemble. Dans quel but? Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pu entendre que des bribes. Oh, je suis un de ces crises de boue. Mais non, je vais jouer avec Reptile. Oh là là, elle est chaude, elle. Wesh. Oh, je pense qu'elle est forte. Ah, c'est... Oh là là. Ah, elle est classe. D'autres démons envoyés par Quan Chi. Attends, nous ne sommes pas... Oh, yo. Ah, on va se faire fumer, chacun elle. De vos semblables abattus. Elle est pas au courant qu'on va se faire fumer, elle. Faire couler votre sang me rapproche regardez, de la regardez, lumière. Regardez comment, va se... comment je vais la ken. Oh, la salope, on a mis le premier coup. Connasse, moi. Tiens. Oh, attends. Oh, la cousine, tu fais trop la folle. Ouais, je suis allé court. Tiens, pas de grand-mère, voilà. Oh lolo, elle est en train de me... Ah, elle est en train de me fumer les filles. Oh, elle est en train de me ken. Oh lolo, elle est en train de me ken. Voyez, je vais faire la technique de pute ou je saute pas. Ah, elle m'a ken, voilà. Elle m'a fumé. Ah, oh, je suis allé forte, hein. Elle est forte, cette petite carte, là. Tiens. Oh non. Oh, elle fait que se protéger. Arrête de te protéger. Oh là, je t'ai cramé la gueule. Ah, j'aurais dû. Ouais. Oh non. Oh. Arrête. Me tuer n'absoudra pas. Galère pour la batte, hein.
Oh là. Ouais, en fait, elle te met des coups, elle te stun. Elle t'étourdit quand elle te met certains coups. Voilà. Oh là, je veux pas en lâcher. Oh là. Arrête, arrête, calme-toi. Calme-toi, je t'ai dit. Voilà, calme-toi. Arrête de faire la folle. J'ignore qui tu es, mais nous ne sommes pas des démons. Si c'est ça, t'as vu, je vais péter sa gueule, maintenant on a compris. Lui est Zateran, et moi est Démien. Ou du moins je l'étais avant d'avoir la peste de Tarkatan. De l'outre-monde. Veuillez m'excuser. Dans ce cas, je suis heureuse pas. De ne pas vous avoir blessé. Tu m'as blessé de quoi? Je t'ai pété ta gueule. Mais quelle icône celle-là? C'est quoi cette odeur? C'est l'odeur de la chatte. Alors, qui est cette femme fatale? Je suis Ashra, démon du royaume du Nether. Une démon? Elle t'a l'air bien humaine. Enfin, à peu près. Et c'est quoi ce Nether? Les moines nous ont expliqué tout ça. Tu dormais pendant les cours ou quoi? C'est un être humain, lui, wesh. Bah, pendant celui-là, sûrement. Bah ouais, c'est un être humain. Le Nether, c'est vraiment l'enfer. Sans blague. J'ai l'air quasiment humaine, car j'ai presque entièrement purgé mon âme du mal. C'est une gentille, Zana. Quand ce sera fait, alors les ultimes vestiges de ma forme démoniaque s'effaceront. Pourquoi les démons te poursuivent-ils? Ils ont été envoyés par Quan Chi, mon ancien maître. J'étais membre de sa sororité de l'ombre. Sororité, ouais, c'est un groupe d'université ou quoi? Régner sur tous les royaumes. Je l'ai désavoué quand je me suis senti incapable de les profaner ainsi. Et maintenant, il veut ta mort. Exactement. J'ai suivi Quan Chi depuis le royaume du Nether. Il est en train de construire des machines siphonnant les âmes à grande échelle. Et maintenant, il exécute son premier test sur les morts de cette forêt. Mais pourquoi voler des âmes, Ashra? Pour exploiter leur pouvoir. À quelle fin, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il soutient les plans d'un autre sorcier. Shang Tsung. Shang Tsung. Bordel. Il est partout, ce mec. Voilà, Shang Tsung est partout, hein. Sûr que Quan Chi est ici? Mon Chris le détecte. Il n'est pas très loin. Non, non. Il faut qu'on te ramène. Alors, nous avons une mission. Quan Chi peut nous mener à Shang Tsung. Votre Liu Kang a raison. Shang Tsung est une menace à éliminer. Bah ouais, bah c'est ça, fallait le tuer avant. Là, au lieu de le... Moi aussi. Putain. Oh, bon, bah, si tout le monde est pour... Vive la démocratie. Ashra, après toi, je t'en prie. Ouais, Zarmada, ça va être un nouveau acte, non? Tu joues avec elle maintenant. Vu que c'est un nouveau personnage de MK. Quan Chi est tout proche. Ses émanations maléfiques s'intensifient. Mon arme est d'une grande puissance. C'est ma plus fidèle alliée. Quand je pourfends le mal qu'elle détecte, mon âme se purifie davantage. Ah, le développement personnel, moi je kiffe. Mais depuis quand les démons veulent devenir moins méchants? J'ai passé une éternité prisonnière du Nether. J'ai toujours cru qu'il n'existait rien d'autre que cela. Puis j'ai découvert le royaume Terre et l'outre-monde. J'ai compris qu'une vie meilleure existait. Et que pour y prétendre, il me fallait purifier mon âme. Mon revirement a rendu mes sœurs démons folles de rage. Kia et Jataka ont été les premières à me chasser. Quan Chi est aussi un démon? En fait, il vient de l'outre-monde. Mais sa maîtrise de la magie noire lui permet de se rendre à volonté dans mon royaume. Ouais, je suis une abeille. Une guêpe. Fume-la, wesh. Oh, il a grogne. On est là, grogne. Et tu sais pourquoi il s'est associé à Shang Tsung? Tous deux ont la même bienfaitrice. Elle les a extraits de l'anonymat. Et elle leur a tout appris. Qui? Je n'ai jamais vu. Oh là, j'ai raté, je parle trop, moi, si c'est bien. Nul doute qu'il s'agit d'une sorcière au talent inégalé. Quan Chi est proche. Oh.
alors ils font que des sacrifices. Ouais, c'est elle, Megan Fox. Excellent. Elle fait Megan Fox, elle, je crois. Megan Fox, elle joue le personnage là. La tienne, à présent. Darius et moi avons réfléchi. Il va se faire baiser, lui. Il n'est pas question de négocier avec... Il va se faire ken, je le sens. Il nous faut une preuve de votre bonne foi. Ça ne te suffit donc pas qu'il ait tenu parole pour les Véterniens de Nitara. Elle a raison. Grâce à la magie de Quan Chi, mon peuple n'est plus vulnérable au soleil. Nous sommes enfin libérés des ombres. N'aie crainte. Les sorts que je t'enseignerai causeront la perte du gouvernement du royaume de l'ordre. Et on les apprendra quand, Quan Chi? Après l'invasion du royaume Terre. Qui risque d'être compromise si l'efficacité du voleur d'âme n'est pas indiscutable. Il a donné quoi, une pierre? Ah ouais, c'est une pierre de chaque monde, je crois. Oh, il va tous les archer. Ah, c'est Yez, on dirait un fou, ce bâtard. Tadam, l'intrigue s'épaissit. Le royaume Terre il est a en danger. Dans une série Netflix. Un seul voleur d'âme peut faire des centaines de milliers de victimes. S'il en active toute une batterie... Des millions périront. Il faut l'arrêter. Je m'occupe de Quan Chi. Vous quatre, neutralisez les autres. Hop, 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 mon grand. Toi, c'est ici que tu t'arrêtes. Entendu ? Des millions de morts. Mais justement, c'est pas le moment de nous traîner dans les pattes. Bon, allez, donne-moi ton épée. Pourquoi ? Ah, discute pas. C'est son sabre, il va lui donner l'autre épée, regarde. Il va lui donner l'autre. Oh là là, et c'est là son pouvoir, il va s'activer, regarde. Je crois qu'il y a un pouvoir avec l'épée. Hein. Quoi ? Regarde. Pas avec... Écoute, tu m'as sauvé. Voilà, j'aime trop l'amitié entre Johnny Cage et lui. Voilà, c'est beau. Une bromance, en anglais, ils disent ça. Ça amène une relation entre frérots. Ouais, Megan Fox, on va la soulever, sa daronne. Cette grosse sataniste. Toujours aussi insaisissable, Ashra. Mais maintenant, on dirait que tu as trouvé des alliés. Nous sommes unis contre toi, sorcier. Tu ne voleras aucune de ces âmes. Oh non, non, bagarre de meuf. Là, on a quasiment pas joué avec. Hein. Ouais, c'est l'autre, t'as promis sa peine. Le Renoir, là. J'aime bien. Chat. Allez, grosse carte. Je vais te soulever, maman. Elle a été forgée pour détruire le mal. Et a tué nombre de tes semblables vampires. Nous sommes qui nous sommes. Boire du sang ne fait pas de nous des En plus, elle boit vraiment du sang dans... Dans la vie réelle, Megan Fox, c'est un truc de fou. Hein. Ils ont bien choisi son personnage. Donc nous, écoutez, on va faire encore 2-3 Fatality pour histoire de clore la vidéo. Et on va voir ça tout de suite. On fera la suite de l'histoire dans un prochain épisode. Bon, on va voir la Fatality de Reptile. Toujours Kitana, hein, la puff. Oh, ouais, il la grind. Voilà, il la grind. Oh, il a vomi. Il va la grind. Oh putain, dégueulasse. Fatality de Kung Lao maintenant. Wesh. Oh. Oh. Dégueulasse. Bon, Fatality de Li Mei. Wesh. Oh. Ouais, dégueulasse. Ouais, c'est quoi, c'est un ange. Oh. Putain, elle a carbonisé sa mère. Elle va faire quoi? C'est une vampire, elle. Oh, wesh. Oh. Oh. Oh.
dégueulasse. Ah voilà, c'est une dinguerie de Fatality. Hein. Bon les frères et les sœurs, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode sur l'histoire de Mortal Kombat 1. On fera la suite dans le prochain épisode. En tout cas, les frérots, comme d'habitude, truc casse-couille des youtubeurs. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'était le bonhomme masqué, PDG. Et je vous dis à très très vite.